Coucou mon dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo que je suis très contente de faire. Aujourd'hui les amis, je retrouve cette nouvelle petite vidéo. Je vais vous faire un petit haul Shein. J'ai passé une commande de 6 petits articles que ma maman a acheté bien sûr. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo où je vais les découvrir et où je vais les ouvrir et les essayer avec vous. Parce que pour moi c'est une occasion assez importante pour filmer tout simplement, parce que j'aime beaucoup avoir des petits souvenirs comme ça. Et puis ça me fait une vidéo pour moi. Donc même si ça vous intéresse pas, je vous laisse partir tout de suite. Moi ça me plaît, donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite et c'est parti. Ok, ouvrons cette petite chose. Ok, je vais pas du tout faire genre que je ne sais plus ce que j'ai acheté, etc. J'ai littéralement choisi ces articles il y a 5 jours, 6, une semaine et passé la commande en même temps. Je sais pas s'il y a tout, mais j'espère. Donc il y a 6 petits trucs. Et ces trucs, ces vêtements, c'est vraiment des vêtements qui sortent de mon habitude. Par là je veux dire que ça va enfin changer de mon t-shirt pantalon que je portais tout au collège et tout au lycée. C'est enfin des vêtements que je veux moi-même volontairement. Même si ça, c'était pas si important que ça pour moi. Mais autant avoir des trucs qui te plaisent, porter des trucs qui te plaisent. Parce que comme ça, même si mon futur est incertain, au moins je serai bégé avec ces vêtements. Commençons, commençons. Je sais pas par quoi j'ai commencé. Je sais que j'ai 4 hauts et de bas. Donc commençons. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est rose. Oh, il y a deux parties. Ah d'accord, j'ai cru que c'était quelque chose d'autre. Ok, parce que je pensais pas que c'était si rose. Je croyais que j'avais qu'un truc rose, mais du coup ça c'est le deuxième truc rose. Ok, d'accord. D'accord. Wesh. Ok, donc c'est un wesh. Faut que je vérifie si les tailles c'est bien ça. Oui, je pense que c'est ça. Donc il y a ça, je pensais pas du tout que c'était séparé. C'est une seule manche avec un seul haut. Ok, what the fuck. Je vais essayer ça tout de suite. Ok, what do you think about that top? Alors j'ai littéralement mis 10 minutes à trying to figure it out comment on le met. J'étais obligée d'aller voir sur le site tellement que j'arrivais pas à le mettre. Je sais même pas si c'est bien comme ça, mais en tout cas ça donne ça. Moi j'aime bien. Après franchement, s'il faut que tu t'habilles rapidement, c'est pas le truc à mettre parce que en 20h, là ça tombe comme ça à peu près. Voilà, moi j'aime bien. Après avec quoi le porter je sais pas. Il y avait aussi une version noire. Je sais pas si j'aurais préféré noir, mais j'aime bien le rose. Du coup je voulais prendre en rose, mais je pensais pas que c'était aussi rose. C'est vraiment un rose bonbon. Je sais pas, sinon j'aime bien. Je voulais vraiment un truc comme ça qui était déréglé et tout. Par contre, est-ce que c'est bien mis ça? Voilà, tout simplement premier truc. Combien je mets à ce petit truc, sur 10? Ce tout de suite, dire non, c'est juste un vêtement. Ce petit truc, je lui mets 7. Je mets 7 parce que j'aime bien. Mais après, j'y porterai pas tous les jours. Genre, si je me sens confident, je vais le mettre. Avec un. Je sais pas avec quoi le mettre. Un pantalon, ça passerait bien, je pense. Voilà. Et j'ai oublié de dire aussi que là, il y avait un petit truc pour mettre un pouce. Mais c'est pas très agréable, du coup je mets pas le pouce. Bref, passons tout de suite au deuxième petit outfit. Mais du coup sinon j'aime bien, je suis content. Ok, mais faut pas que je regarde, là je vois ce que je prends. Ok. Oh bah, le deuxième petit truc rose, ouais, j'avais trois. Ok. Oh mon dieu. Ça vraiment, lui j'avais trop trois. Ok. C'est un petit top comme ça. Ok, lui il est en une seule partie. Un petit top comme ça, très rose. J'adore la matière, elle est trop mimi. Avec un petit curl. Essayons ça tout de suite. Ok, ça je crois que c'est littéralement un vêtement qui est censé mettre les boobs en valeur. Mais du coup, vu que j'en ai pas, ça fait juste un truc qui pousse sur mon corps. Mais j'aime beaucoup beaucoup quand même, parce que j'ai littéralement pris en XS. Et ça va, c'est pas trop petit. Donc voici comment ça donne. Bien sûr, faudrait pas avec un pantalon comme ça parce que c'est pas beau. Mais sinon, j'aime trop. Avec quoi le mettre? À voir. I really love it. I really like it. Celui-ci, je mets un 7 sur 10 aussi. Parce que je préfère pas que le truc d'avant. Du coup, on va juste passer à un prochain article. J'aimerais bien avoir un bas. C'est pas un bas. C'est un truc marron, je sais ce que c'est. Ah! J'ai vraiment voulu prendre des trucs dans mes couleurs préférées tout simplement. Et des trucs qui varient dans les couleurs. Oh my god, il est magnifique. Donc c'est un petit haut marron comme ça. Voilà, voilà. Essayons tout de suite. J'adore la couleur. J'ai envie de le bouffer. Ok, ça faut faire en sorte de bien y attacher pour pas que ça retombe comme ça. Parce que j'ai pas de bouse-bouse, du coup ça tient pas tout seul. Mais en tout cas, la couleur à la caméra, elle a l'air beaucoup plus chaude que dans la vraie vie. Elle fait genre. Dans la vraie vie, elle fait genre vraiment chocolat. Par contre, il faut vraiment bien attacher ça.
Donc il y a un nœud sur le truc, mais je sais pas. Ok, so I guess it's how it's supposed to look. Donc là, normalement, je bouge un tout petit peu, ça va tomber. Ah non. Ok, donc j'y suis arrivé à y faire tenir. Ok, donc quand ça tient, c'est beau. Quand ça tient, c'est trop beau. J'aime trop. Ce petit haut, je lui mets un... Par contre, ça me focus pas, je vais m'énerver fort. Je suis si blanc que ça. Ok. Ce petit haut, je lui mets un petit 8 sur 10. 6, 20. Yes, yes, c'est la jupe, j'avais trop hâte d'essayer la jupe. Oh, je me rappelais plus qu'il y avait des petits trucs blancs au bout, je crois qu'elle était toute marron, c'était marron aussi. Ah non, oui, c'est vrai, c'est pas elle. Ok, oula, elle m'a l'air grande, non, je sais pas. La voici, la voilà, elle m'a l'air grande par contre. Essayons ça tout de suite. J'étais en panique parce que je pouvais vraiment pas la mettre, du coup je me suis dit, mais comment ça se fait que ça soit trop petite, c'est pas possible. En fait, sinon, il y a une fermeture trop mongole. Il y a un truc pour ceinture. Elle m'a l'air ground. Les deux ensemble vont pas du tout. Je pensais que, honnêtement, ces deux marrons vont pas ensemble. Ça, on dirait orange à la caméra, d'ailleurs. Mais en fait, c'est orange, je crois. Je sais pas. C'est un peu genre, c'est un peu couleur, matière, coussin de grand-papa, grand-pépé. Du coup, j'aime bien. Je vais mettre une ceinture et je vais mettre avec un haut qui sera joli. Je dois avoir un don pour vouloir les vêtements qui sont durs à mettre. Mais voici la jupe avec un petit haut comme ça. Do we stand this skirt? Do we like this skirt? I love this skirt so much. Après, bien sûr, j'ai pas mis avec la ceinture qui met le plus en valeur. But on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Donc voilà, I really like this skirt. I'm really happy I have this skirt. Je lui mets un petit... Ça va pas me foutre plus, ça va me saouler. Je lui mets un petit 8 sur 10 à cette skirt parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Next petit vêtement. Petit diable écolo. Je voulais vraiment un truc rouge. Je voulais vraiment un truc rouge. Oh, wow. Mais quoi? Voici. Oh mon dieu, waouh. Encore un truc qui faut avoir des bouts. Putain, je crois que j'ai vraiment un don pour prendre les trucs qui me vont pas. Essayons ce petit rouge. Cet article. Ce vêtement, c'est vraiment celui qui a la couleur qui me va le mieux, j'ai l'impression. Et c'est aussi celui que j'ai le moins galéré à mettre, littéralement, dès le premier coup, j'y suis arrivé. Ok, par contre, il y a des petits filets là, parce que c'est. Mais oui, mais ça a l'air de bien faire comme ça. Bon, encore une fois, je mets toujours avec le truc qui va pas, mais là. Oh, si ça va. Ça fait original. C'est beaucoup trop long. Voici le petit haut noir. Rouge. I stand. Je pense que ça, c'est potentiellement le truc que je vais le plus mettre, parce que c'est le truc que je suis le plus. À l'aise, non, je suis à l'aise avec tout, mais dans le sens le plus. I'm feeling, I guess. I don't know. J'adore ce petit haut. Avec cette petite ficelle qui est en train de lui taper sur les nerfs. Vraiment, il y a toujours un truc qui me saoule. Bref, on va tout de suite ouvrir le dernier petit article. Le jean, je voulais littéralement l'ouvrir en premier, mais le hasard il m'a dit ta drôle. Donc c'est un petit pantalon comme ça. Oh my god. Avec des petits nounours. Voici Alvin. Alors, clairement, moi et les jeans. C'est une vraie histoire d'ennemitié, je déteste les jeans. J'en mettais tout le temps, obviously, quand j'allais au collège et au lycée, parce que je mettais que ça. Mais en grandissant, mon corps, il est devenu mon corps, quoi. Et moi, mes jambes, la structure de mes jambes est horrible. C'est-à-dire qu'en tour de taille, il me faudrait clairement du 12 ans. Mais en taille de jambes, il me faudrait mon âge, ou du 10, du... M, du S, je sais pas. Du coup, mes jambes, c'est vraiment une galère pour trouver des bons pantalons. Mais du coup, pour la première fois, j'achète un pantalon qui est... pas un skinny. J'ai toujours eu des skinny. Quelle horreur. Alors, pour l'inspiration de ce pantalon, en ce moment, j'ai une vidéo où j'apprends la danse de James Come True. Elle va sortir très prochainement. D'ailleurs, même peut-être avant cette vidéo-là, je sais pas. Mais j'étais tellement obsédée avec cette musique que je voulais un vêtement qui vienne du clip. Et du coup, de base, je voulais vraiment un vêtement qui vienne de look de fée, là, parce que c'est mon préféré. Finalement, j'ai fini par trouver ce pantalon qui a été inspiré par le look de Winter, même s'il n'y a absolument aucun rapport. Mais j'ai juste tapé jean sur Chin. Et du coup, je tombais sur lui. Enfin, je tombais. J'ai cherché pour lui et c'est lui que j'ai. Du coup, c'est grâce à Dreams Come True. Because this jean is a Dreams Come True. Non, j'ai gagné. Essayons ce petit pantalon avec des petits nounours comme ça. Oh, c'est des. Il s'avère que ce que je pensais qu'il mérait le moins, c'est littéralement ce qu'il m'a le plus. J'adore ce pantalon. Bon, je vais retourner pour qu'on puisse voir le pantalon. Je l'aime trop. Du coup, j'avais oublié de noter le petit haut rouge. Pour le petit haut rouge, je lui mets un 8 aussi. Et pour ce pantalon, du coup. Il est vraiment parfait. J'avais peur que ça soit pas assez long, j'avais peur que
ça soit trop étroit, mais avec une ceinture ça passe. Et vu que j'ai un zizi aussi, j'avais peur que ça soit pas beau, mais du coup tout est parfait. Allez, du coup ce jean, je lui mets un 8,5. Un 8,5. Pour finir mon look, hein. Ah merde, j'avais pas vu que c'était... Ah mais c'est grave plus joli comme ça en fait. Voilà voilà les amis, c'est maintenant la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ma petite sélection de vêtements. Si vous avez aimé ces petites clothes que j'ai essayées, si vous les porterez vous. Moi en soi je les ai tous aimés bien sûr, vu que je les ai sélectionnés après sur moi. Vu que moi je suis moi, j'aime jamais des vêtements. Mais en tout cas je les reporterai parce que je les aime tous. Il y a pas un seul truc qui était un faux pas pour moi. Genre vraiment tous les trucs étaient durs à mettre. Il y avait un petit truc mais après quand je les mets, j'aimais bien, genre par exemple ça, ça me faisait chier parce que ça retombait. Ensuite ça, bah si je ressemble à une planche de bain, du coup c'est pas flatteur. Ce petit haut, il est dur à mettre, à mourir. Du coup voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous fais plein de gros bisous.